Salut tout le monde, c'est Ryan, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment rétrograder d'iOS 13 vers iOS 12.3 ou bien iOS 12.4. Alors c'est très simple à faire, il suffit juste de suivre mes étapes dans cette vidéo. Alors tout d'abord vous allez télécharger l'application 3U Tools. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé 3U Tools, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo pour la télécharger. C'est très simple, il faut juste télécharger, l'installer normalement. Alors une fois que vous avez installé 3U Tools, vous allez lancer l'application et vous branchez votre téléphone avec le PC. Alors vous branchez votre iPhone avec le PC. Voilà. Que vous avez branché votre téléphone, vous aurez cette page qui s'affiche avec les informations de votre appareil. Là vous allez tout en haut sur la catégorie Flash and Jailbreak, et là vous allez dans Easy Flash, et là vous trouverez les versions bêta qui existent ou bien les versions officielles qui sont signed by Apple toujours. Alors par exemple moi je vais télécharger bien je vais installer la version 12.3.1, donc je vais me rétrograder vers 12.3.1. Je clique sur télécharger. Là moi j'ai déjà téléchargé, ça m'écrit downloaded. Vous aurez ça comme ça, download ou bien import. Vous choisissez la version. Alors ce qui nous intéresse c'est iOS 12.4 bêta 5, iOS 4 bêta 4, 12.4 bêta 4, iOS 12.3.1 ou bien iOS 12.3 officiel. Alors, vous choisissez le téléchargement que vous voulez et vous cliquez sur Download. Alors, une fois que le téléchargement s'est terminé, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de juste cliquer sur Flash. Voilà, je clique sur Flash. Flash. Et là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste d'attendre le Flash que ça se termine. Là, comme vous voyez, ça va prendre un peu de temps pour que le flash se termine. Alors, je vais juste couper la vidéo. On se retrouve juste après quand le téléchargement, l'installation avance un peu. Alors, je vous dis à plus. Là, il rentre en catégorie pour commencer le flash. Et là, il commence la restauration.
Et voilà, comme vous voyez maintenant, on est sur iOS 13.2. Alors, on attend maintenant le démarrage de l'iPhone. Et voilà, comme vous voyez maintenant, iOS version 12.3.1. Vous avez votre fond d'écran qui s'affiche ici et tout, qui vous montre que tout est parfait. Voilà, donc maintenant il faut juste passer les étapes de configuration. Et voilà, donc vous aurez votre iOS 13.2 qui marche parfaitement bien sur votre iPhone sans aucun problème. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait un grand plaisir de continuer pour faire d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine.